Bonjour, c'est Zico Kiax, infopreneur, transformateur et créateur de la Kiax Academy qui aide les entrepreneurs, les leaders et les passionnés comme vous à développer leur leadership et leur communication d'influence pour mieux réussir dans la vie et dans le business. Dans cette vidéo, je vais vous partager des clés puissantes pour vous aider à gagner de l'argent sur Internet comme des entreprises multimilliardaires ou multimillionnaires, même si vous êtes une petite ou une moyenne entreprise que vous démarrez à peine sur Internet. Je sais, ça semble fou de te dire comment est-ce que moi, en démarrant mon activité, là, je suis peut-être en ce moment même en train de lancer mon business sur Internet, soit je suis à peine en train de, finalement de récolter mes premiers clients, faire mes premières ventes et je ne sais pas vraiment encore comment aller plus loin, donc comment passer d'un stade à un autre. Ou alors, je ne suis pas encore aujourd'hui en affaires sur Internet, mais je suis en train de vraiment de tout apprendre, je suis prêt, hein, sur le point de me lancer dans la phase de lancement et de démarrage. Comment moi, je pourrais, Zico, avoir un système qui ressemble à celui des grands groupes, des géants qui font des multimillions, des milliards d'euros sur Internet chaque année dans les industries du e-commerce, de la vente à distance, de la formation sur Internet. Comment faire cela? Eh bien, si aujourd'hui vous suivez cette vidéo et que vous êtes dans cette situation et que vous démarrez à peine et que vous dites « Mais comment passer d'un stade où finalement je suis tellement loin encore de mes objectifs ?» Parce que je vois que je rame un peu, je traîne un peu ou ça ne commence pas exactement comme je souhaite, à une situation où effectivement, je vois les profits rentrer dans mon entreprise, les ventes arriver jour après jour, mois après mois, les objectifs sont vraiment atteints, sont dépassés, je vois la vie sereinement, je peux véritablement libérer du temps libre pour d'autres choses même et fermer mon ordinateur souvent pendant l'année, je peux clairement, véritablement réaliser mes passions, vivre grâce à Internet, pouvoir être géographiquement dans n'importe quel endroit du monde. Comment est-ce possible aujourd'hui? Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir réaliser ce type d'approche puissante que réalise aujourd'hui une minorité d'entrepreneurs qui utilisent le web de la bonne façon, il vous faut vraiment être structuré en regardant ce que font les grands groupes sans faire ce qu'ils font. Je m'explique. Vous n'avez pas les moyens des multinationales, ni vous ni moi. Nous n'avons pas le même budget publicitaire, donc on ne peut pas s'y prendre de la même façon. On ne va pas faire de la publicité sur TF1 ou sur la chaîne nationale numéro 1 de votre pays, de votre ville, tout simplement parce que nous n'avons pas le même budget. Nos objectifs ne sont pas les mêmes. Dans les conversions, ils ont souvent des objectifs de branding, d'image, et ils peuvent investir des centaines de milliers d'euros là-dessus. Non, vous n'avez pas le même type d'objectif, ni moi, parce que nous avons besoin de convertir plus rapidement et finalement de créer un retour sur investissement plus rapide parce que le budget est différent effectivement et nous ne poursuivons pas exactement les mêmes buts. Mais malgré toutes ces différences, c'est parce que ces différences-là, quand on vous les enseigne, vous dites « mais c'est pas la même chose, donc moi, j'ai rien à voir avec eux, je ne vais pas du tout regarder ce qu'ils font et finalement, je vais trouver une autre voie, un autre chemin. » Malheureusement, aujourd'hui, quand on vous conseille ça et que vous suivez ce type de raisonnement, vous vous écartez, vous vous empêchez vous-même aussi de prendre ce qu'il y a de meilleur, de vous inspirer de ce que font les meilleurs de leur industrie. Il faut aujourd'hui vous rendre compte que les influenceurs les plus prospères de chaque industrie, pour pouvoir finalement se démarquer, pour pouvoir sortir des rangs, pour pouvoir sortir du cadre de référence classique et traditionnel ou du mode de pensée de tous leurs confrères et tous leurs concurrents, pour par exemple prendre de l'avance dans un domaine, sur un marché, devenir leader, mais ils vont simplement regarder ce qui se passe souvent dans d'autres industries et ils observent ce qui fonctionne et ils se demandent matin, midi et soir comment pourrais-je appliquer ce concept dans mon système, dans mon entreprise? Comment pourrais-je importer cette bonne idée dans mon business, dans mon entreprise? C'est un peu le même principe comme Albert Einstein disait souvent qu'il n'invente pas. On croyait qu'effectivement il faisait des grandes inventions. Il dit toutes les inventions et toutes les idées existent déjà. Elles sont déjà dans la nature. Il vous faut en fait pouvoir les prendre, pouvoir les adapter, faire des fusions, des mélanges, faire travailler vos neurones pour pouvoir en créer de nouvelles. Et ça ne sert à rien de partir d'une feuille absolument blanche, zéro, quand vous devez construire quelque chose, puisque tout existe déjà, il faut y ajouter votre saveur. Raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que si vous pouvez, vous concevez, vous réalisez que vous pourriez aller chercher des concepts de secteurs totalement différents, loin de vous, pourquoi ne pas regarder dans votre industrie, dans votre secteur proche ou un peu plus éloigné, les gros groupes, les influenceurs qui génèrent des milliards d'euros, des multimillions d'euros, que font-ils de si fort et de si puissant? Parmi ce qu'ils font, véritablement, il y a un point essentiel sur lequel je veux vraiment porter votre attention en tant qu'entrepreneur. Et si vous le faites, je vous garantis que tout va changer pour votre business. D'aujourd'hui, au mois d'après, aux semaines qui vont venir, à l'année prochaine, dans un an, on se revoit, vous et moi, et on parle
de ce que vous avez fait suite à cette vidéo, vous me direz effectivement qu'il y a eu de grands changements. C'est tout simplement avoir un plan marketing, un calendrier de vente. Quand je parle d'un calendrier de vente, je suis très sérieux. Je vous parle d'un calendrier comme on pourrait voir un calendrier ici qui est affiché sur votre mur ou mur du bureau dont personne ne se sert à part de regarder simplement quelle date nous sommes, quelles sont les prochaines vacances, quand est-ce qu'on va partir dans tel endroit. Non, un calendrier de vente, de marketing. Parce que vous savez qu'en tant qu'entrepreneur, la vente, c'est tout. Sans vente, il n'y a pas de choses qui se passent. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Vous pouvez être très sympa avec vos clients, avec vos contacts, mais s'il n'y a pas de vente, votre business ne tourne pas. Et s'il ne tourne pas, vous ne tarderez pas longtemps avant de fermer boutique et finalement, vous ne serez plus cet entrepreneur si sympa qui partage de chouettes contenus à tout le monde, qui aide des gens gratuitement sans faire tourner son propre business pour être inspirant et encore plus inspirant à son tour. Donc la vente, c'est tout. Vous devez travailler sur un planning de vente. Si demain, vous avez organisé tous les moments de la vie, tous les moments de l'année, pourquoi n'avez-vous pas organisé tous les moments de vente précis de votre business? Pourquoi je dis pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je pars déjà du postulat et du principe que vous ne l'avez pas fait parce que aujourd'hui, plus de 90-95% des entrepreneurs que je rencontre n'ont tout simplement pas un calendrier marketing. Ceux qui l'ont ne l'ont pas assez préparé, ne le sont pas assez travaillé. C'est un calendrier de vente qui est assez pauvre. Et réalisez que si vous pensez, vous prenez le temps d'enrichir cette partie de votre business qui finalement va faire toute la différence, vous ferez une vraie différence pour vous, pour votre business, pour votre marché. Et pourquoi je parlais des gros groupes et des multinationales et des entreprises prospères? Eh bien, elles ont ça en commun. C'est que chaque chose qui est faite est structurée. Il y a un plan, on sait ce qu'il faut faire pour l'entreprise. Et souvent, quand on travaille dans une entreprise comme celle-là, imaginez à titre de salarié, tout a déjà été pensé pour nous. On arrive, même si vous êtes cadre, si vous êtes excellent, tout a été pensé pour vous. Et vous travaillez, on vous donne un salaire en échange d'exécution, etc., etc. Mais pourquoi ne pas l'importer, vous, dans votre business? Vous avez cette chance, ce privilège d'avoir créé votre propre écosystème, de votre propre entreprise. Vous pourriez aujourd'hui être une entreprise qui à peine qui a du mal à finir ses fins de mois, à payer ses factures, à payer ses fournisseurs, à une entreprise multimillionnaire, voire plus, dans les années à venir. Et déjà dans les mois prochains, générer plusieurs centaines de milliers d'euros de ventes sur Internet grâce à votre business, sans avoir besoin comme ça d'aller faire un prêt chez votre banquier, sans avoir besoin d'aller vous ruiner dans du matériel professionnel. Non, simplement en vous disant « Ok, je veux absolument savoir ce qui se passe dans X temps, toutes les semaines, tous les mois de ma prochaine année, de mes 12 prochains mois. » Et si je vous demande maintenant qu'est-ce qui se passerait exactement dans 4 mois de votre business, la semaine 2 du mois 4 qui vient, qu'est-ce que vous allez me répondre? Je ne sais pas encore. Ça, c'est une erreur qui n'est pas de votre faute. Comme je vous ai dit, vous êtes très nombreux et j'étais moi-même dans le cas. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé tout simplement à analyser, à créer un calendrier de vente. Tout a changé parce que je savais me reposer sur des stratégies de vente. Chaque opération est une rentrée nouvelle d'argent. Donc, je pouvais me concentrer ensuite à aller chercher du nouveau trafic, en achetant de la publicité, en faisant des partenariats ou en créant des contenus magnétiques sur YouTube, sur Facebook ou partout. J'avais uniquement ici en tête que ce calendrier doit être respecté et tout ce que je faisais à côté n'était tout simplement qu'au service de ce calendrier de vente, de ce calendrier marketing optimal. Il est très facile aujourd'hui de le faire, mais c'est plus complexe évidemment quand on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Je vous conseille maintenant tout simplement de prendre un document, une feuille blanche, un stylo et de ranger 12 mois, de dessiner 12 mois, une année complète. Et dans chaque mois, dites-vous qu'est-ce que j'insère dedans la première semaine, qu'est-ce que j'insère la deuxième semaine, la troisième semaine. Rendez ce calendrier sublime parce que c'est véritablement là que tout va se passer. Toutes vos activités, vos actions se concentreront véritablement sur ce calendrier-là. Alors si à ce stade vous dites, mais comment faire Zico? Qu'est-ce que je mets dedans? Quel outil j'utilise? Est-ce que j'utilise un document? Est-ce que sur Internet, il y a des documents pour le faire? Excellente nouvelle pour vous. J'ai créé pour vous un modèle que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant maintenant quelque part sur ce site. Si vous êtes sur YouTube, il y a probablement là-haut un icône qui apparaît, un i comme ça qui apparaît. Et si vous êtes sur Facebook ou ailleurs, il y a un lien quelque part dans la description, là-haut, quelque part. Cliquez dessus, vous allez tout simplement pouvoir télécharger un modèle que j'utilise. Et puis, si vous le souhaitez aussi, vous pouvez recevoir une invitation de ma part, participer à une formation de laquelle je vous montre comment construire ce calendrier pendant plus d'une heure. Je vous montre véritablement quoi mettre dedans, qu'est-ce qu'il faut éliminer. Déjà, la première des choses à faire, évidemment, c'est de planifier, de programmer vos vacances, vos congés, pas parce que vous êtes un paresseux, mais parce que vous êtes un paresseux stratégique, efficient, qui veut faire les choses dans les bons sens. Vous savez que ces vacances, lorsqu'elles sont programmées, c'est motivant.
ensuite de compléter les autres cases pour que tout se fasse dans les meilleures conditions. Vous comprenez maintenant, dans cette vidéo, j'ai voulu partager avec vous un concept, un état d'esprit, une chose puissante qu'utilisent les grands groupes, les multinationales, les entreprises multimilliardaires ou millionnaires pour générer des ventes jour après jour, mois après mois, sans forcément avoir de super pouvoirs magiques en utilisant ce principe. Même si vous démarrez à peine, si vous êtes une petite ou moyenne entreprise, vous pouvez à votre tour déjà changer, doubler, tripler, quintupler vos ventes aujourd'hui, vos résultats que vous obtenez sans avoir de ressources supplémentaires, avec exactement les mêmes ressources que vous avez actuellement. Je vous invite évidemment à télécharger ce document pour le compléter sans plus attendre un instant. Prenez du temps maintenant pour le compléter. Tout ce que vous savez déjà et ce que vous ne savez pas compléter maintenant, vous pourrez le faire dans les prochains jours. Ou si vous participez à ma conférence gratuite, vous pourrez le faire immédiatement ensuite puisque je vais vous guider pas à pas pour vous montrer comment le faire. Voilà, je vous envoie mes meilleurs vœux de succès, mes meilleurs vœux d'amitié pour le développement, la croissance et l'accélération de votre business. C'était Zico Kiax. Vous pouvez cliquer maintenant pour télécharger votre cadeau et je vous retrouve très bientôt. Merci.